Supreme, le Supreme de meilleur de la musique, c'est ici sur RFM avec les Buggles dans un instant et Emily Sandé juste après la minute de Sandra. RFM, la minute de Sandra. Voilà, quelques trucs et astuces pour savoir si votre chéri est vraiment galant, ça se matérialise par quoi? Par plein de trucs. Alors, c'est une notoriété publique, les Françaises aiment les hommes galants, les vrais gentlemen, quoi. Et on serait même une majorité à le penser, puisqu'on serait 97%, c'est énorme. J'ai lu ça sur le site de yahoo.fr. Du coup, les gars, voici ce qu'on attend vraiment de vous. Alors que vous posiez votre veste sur nos épaules quand il fait froid, et bien c'est toujours d'actualité, figurez-vous. C'est le geste élégant qu'on préfère le plus. Nous, on trouve pas ça du tout surfait. Si au moindre petit frisson qu'on a, vous dégainez tout prochainement que vous êtes, bien sûr, votre jolie veste pour couvrir nos petites épaules toutes frêles. Et bien là, on craque totalement. On attend aussi de votre part que vous nous écoutiez, mais alors sans jamais nous interrompre. C'est-à-dire vraiment... Oui, mais ça peut durer des heures, ça peut durer des années. Il faut nous laisser parler quand même. On adore ça, c'est le témoignage de votre intérêt pour nous. Et puis vous savez qu'on adore être le centre du monde, surtout. Et puis comme ça évitera aussi que vous vous mettiez, vous, en valeur. Voilà. On attend forcément aussi que vous alliez payer l'addition, mais toute l'addition. Ah, non, mais vraiment, en entier. Voilà. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais même si on est 49% de femmes en Europe à s'attendre à payer la moitié de la note, ben quand même la grande majorité d'entre nous à vous préférer un homme qui les invite totalement. Et le must, eh ben, c'est de le faire en toute discrétion, prétexte un petit coup de téléphone, comme ça rapidement, je vais aux toilettes, chérie. Et de payer l'addition, bien sûr, c'est so gentleman. En revanche, et là, tu peux aussi aller aux toilettes et jamais revenir. Ça, c'est dégoûtant. En revanche, c'est assez paradoxal. Aujourd'hui, on trouve assez nul que vous portiez notre parapluie, que vous tiriez notre chaise ou que vous vous leviez lorsqu'on arrive ou pire, ouvrir la porte d'une voiture. On n'aime pas trop. C'est ringard. D'accord, alors moi, ça, c'est dit. Allez, 30 minutes déjà, 9h. Les blancs, pendant les dents. Buggles tout de suite sur RFM. On adore ce morceau avec Video Kill de Radio Star. Bienvenue. Bon courage si vous allez bosser, les amis. On est là pour vous accompagner.
crédit et surtout expat. De plus en plus nombreux, je ne cesse de rencontrer des jeunes diplômés, qui me disent « Mais attendez, monsieur Copé, on s'en va, nous, hein ? C'est terminé, hein ? On va pas rester dans un pays ?» Ah ben 10 minutes plutôt que pour créer Lyon, pas au couvre surtout à Lyon.